Le soigneur invita Mitou à entrer dans la caravane. Quand il sut la raison pour laquelle le jeune garçon venait, il ne fut pas étonné. « C'est pas vrai. Cet abruti l'a encore frappé. C'est pas la première fois, hélas. Oh, bien sûr, il ne le fait pas pendant les représentations, mais une fois les projecteurs éteints. Il s'en passe des choses en coulisses. Je conçois qu'un numéro ne peut réussir sans plusieurs heures de dressage intensif, mais sans violence. » Je viens avec vous, afin de vous dire exactement le diagnostic. » Le soigneur suivit le jeune aborigène dans la jungle. Ce n'était pas la première fois qu'il venait en milieu hostile. Sur le chemin, Mitou lui raconta que le dresseur lui avait fait une proposition. « Un défi ? Dites-vous que il ne vous l'aurait jamais offert s'il n'avait vu en vous certaines qualités et capacités. C'est une bonne nouvelle pour vous, et pour nous aussi. » Cela nous prouve une chose, qu'il est capable de se remettre en question. » Le soigneur arrêta le véhicule de transport. Le chemin n'était plus praticable. Après 2 heures de marche, ils arrivèrent à l'endroit où se trouvait le tigre blessé. Japangati faisait signe aux deux hommes de venir. « Bonjour, dit Japangati, je suis la mère de ce jeune garçon. Je suis la chamane de la tribu. Quand Mitou nous a raconté que le tigre était ensanglanté, je suis venu avec son père. J'ai pu constater qu'il avait reçu des coups de fouet répétés sur le flanc. « C'est vrai, » répondit le soigneur. Il se tourna vers Mitou. « Je confirme mon diagnostic et celui de votre mère. Je vais lui injecter un calmant. Ainsi, il va pouvoir se déplacer jusqu'au camion. » L'animal se leva et suivit le soigneur qui ouvrit les portes arrière du camion. Après un moment d'observation et d'hésitation, le tigre blanc sauta dans le véhicule. Le centre de soins se situait dans le village, à bonne distance du chapiteau, installé sur la grande place. Le soigneur savait que dans ce lieu, le tigre recevrait ses bons soins, tout en le protégeant des agissements de son dresseur. Pendant ce temps, Mitou décida de se rendre à la caravane du dresseur, afin de lui dire la vérité au sujet de Karna. Il s'installa en face de lui, en le regardant dans les yeux. « Je viens vous voir, car j'ai des nouvelles informations au sujet de votre tigre. La première fois que je suis venu, je vous ai menti. J'ai croisé votre tigre blanc. Il courait à vive allure. Je compris qu'il s'était enfui. En le menant à la rivière, je remarquai son flanc ensanglanté. Ma mère est venue le voir. Elle m'a affirmé qu'il a subi des coups. Ce diagnostic vient d'être confirmé par le soigneur. « Vous le protégez, c'est ça ?» répondit l'homme avec arrogance. Mitou le regardait dans les yeux, en lui expliquant qu'il espérait que le fauve se rétablisse rapidement pour qu'il puisse saisir la chance qui lui est offerte de devenir dresseur. L'homme ricanait, lui demandant d'être patient. Que tout vient au bon moment. Que va-t-il se passer? Le défi lancé par le dresseur n'est-il pas un leurre? L'homme est-il vraiment prêt à laisser sa place au jeune garçon? Tu veux connaître la suite des aventures d'Angèle? Il suffit de t'abonner, tu recevras chaque semaine des nouvelles vidéos. Si tu veux, tu peux me laisser des likes, ça fait toujours plaisir. Thank you.